Des troupes PM3 se dirigent vers vous. Tenez-vous prêts. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce en survie donc sur la map Solar qui va vous permettre si jamais vous êtes débordé à une manche parce que faire ça pendant tout le long du truc c'est pas spécialement très intéressant mais ça peut être très utile si vous vous sentez un peu trop débordé à une manche quand vous arrivez dans les 25 premières manches ou les deux 25 premières manches, c'est pas forcément très utile. Mais plus vous allez avancer et plus vous allez vous retrouver avec des ennemis assez puissants et qui peuvent vous submerger assez rapidement si vous faites des erreurs. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit endroit sur cette map qui fait que tous les bots sont vraiment, les joueurs contrôlés par l'ordinateur sont vraiment très 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 bêtes. On peut pas dire mieux que ça. Juste dans la vidéo, vous allez voir, il y a un petit moment, il y en a un qui fait pas ce qu'il faut, et c'est bien la seule fois où il me l'a fait, parce que à chaque fois où j'ai pu faire ça, à chaque fois, ils suivent tous, strictement tous le même trajet. Donc c'est parti, donc sur la map, il va falloir se rendre ici. Donc je vais vous montrer. C'est pas très très compliqué, hein, c'est à cet endroit-là. Donc vous allez sauter sur le tuyau et vous placer derrière le panneau. Donc sur la carte en général ça peut être utile pour cacher un petit peu et puis mais bon c'est pas le meilleur des spots. Donc à part celui qui est là que je viens de tuer en bas, vous allez voir qu'ils spawnent tous, enfin ils font tous ça. Et il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils vont faire tout seul jusqu'au dernier. Donc voilà, c'était un petit spot à la con, si jamais vous vous sentez un peu trop, pas capable de finir une manche. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous.